Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. On va parler du Voxi One 2. On va parler de toutes les nouveautés Voxi Web avec WhatsApp, Netflix, les nouveautés en exclusivité sur la chaîne Vision Hightech et sur le salon Autonomique Paris 2023. Une toute nouvelle coque bleu canard. On aura donc un tout nouveau software. Une multitude de nouvelles fonctions dans ce tout nouveau Voxi One 2. On en parle dans cette vidéo. Pour cette première nouveauté, l'arrivée des emojis sur le tout nouveau Voxi One 2. Les utilisateurs du premier Voxi One avaient fait cette demande et Voxi Web vous a réalisé ce vœu. Vous allez maintenant pouvoir égayer vos messages avec votre Voxi One 2 avec l'envoi d'emojis. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'arrivée des emojis, ça marche comment? Je vous montre tout de suite, à partir du Voxi One 2, comment faire pour insérer vos emojis. Champ, clavier ouvert, sourire, clin d'œil, se rouler par terre de rire, bisous amoureux, ouf, déçu, inquiet, triste, pouce levé. Le Voxi One 2 est un téléphone, un smartphone entièrement accessible aux personnes malvoyantes et aux personnes aveugles, donc vous allez entendre tout ce que vous faites sur cet appareil. Comment insérer vos emojis à partir d'une zone d'édition? Tout simplement, vous allez tapoter sur la touche 0 jusqu'à ce que vous entendez l'emoji voulu. Dollar, sourire, clin d'œil, serou, bisou, amoureux, ouf, déçu, inquiet, triste, inséré. Une fois que vous entendez le bon emoji, vous lâchez la touche 0 et celui-ci s'insérera automatiquement. Vraiment très simple, très simplifié et très accessible. Une pluie d'emojis sur notre Voxi One 2. Voilà pour cette première nouveauté. En route pour cette deuxième nouveauté, l'accessibilité à WhatsApp. Franchement, c'est le top. Je vous montre comment ça fonctionne. Enfin, une nouveauté vraiment énorme sur ce téléphone avec une possibilité de configuration vraiment inégalée sur aucun smartphone. Comment configurer un compte WhatsApp en toute accessibilité? WhatsApp. Champ texte, numéro de téléphone, vide. Donc, vous rentrez dans un premier temps votre numéro de téléphone. Ensuite, vous allez taper tout simplement votre nom sur lequel vous voulez apparaître sur les téléphones sur lesquels vous allez appeler en WhatsApp. Christophe. Christophe inséré. Vous validez en bas au centre. Champ texte, nom d'affichage, bouton, se connecter. Et vous allez, un petit coup de flèche bas à droite, vous allez sur « Se connecter » et regardez là où c'est magnifique. On a une configuration complètement automatique. Vous n'avez rien à faire. Votre WhatsApp se configure automatiquement. Vérification. Actuellement, les amis, le WhatsApp est en train de se configurer. Vous n'avez rien à faire. Tout se fait automatiquement. C'est vraiment super impressionnant. Connexion au compte WhatsApp réussie. Bingo, le compte est maintenant donc correctement configuré. On pourra faire des appels audio et des appels vidéo parce que oui, avec votre Voxi One 2, vous pouvez faire des appels vidéo grâce à une petite clé qui va vous permettre de se connecter à votre téléviseur. Et ça, c'est une nouveauté Voxi One 2. Allez, et si on lançait un petit appel WhatsApp pour que je vous montre enfin comment cela fonctionne? Tout simplement, on se dirige dans Contact, vous choisissez votre contact. Ce contact, bien sûr, doit avoir un compte WhatsApp. C'est parti. Allez, c'est parti pour un petit appel ensemble. Off mobile, plus 2, envoyer un message. 3 appels vocal WhatsApp, 4 appels vidéo WhatsApp, 3 appels vocal WhatsApp. Allez, on est parti sur un appel sur iPhone. C'est parti. Voilà donc très simple d'utilisation pour une personne aveugle et malvoyante d'utiliser le Voxi One 2 pour faire des appels WhatsApp. Franchement, à tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de tester ce téléphone, le Voxi One 2 et ses toutes nouvelles nouveautés. Un guide doigt en bas du Voxi One 2 vous donnera la possibilité d'activer l'haut-parleur sur WhatsApp, Hello. De mettre le micro en veille et voire même de raccrocher avec le bouton complètement à gauche. Voilà pour cette deuxième grosse nouveauté sur le Voxi One 2.
Et pour cette troisième nouveauté, on va avoir la possibilité d'envoyer des messages audio directement avec notre Voxy One 2. Je vous montre tout de suite comment ça marche. Vous vous dirigez dans l'application Messages, vous envoyez déjà un contact connu ou vous mettez son numéro, c'est au choix. Page, un vers, un contact. Choisissez un Christophe, de Fabien, un Christophe. Écrire un message à Christophe mobile. En fait, lorsque vous allez vous retrouver dans la zone d'édition, vous allez faire un appui long sur le bouton du milieu, le bouton qui se trouve tout en bas au centre. Vous gardez votre doigt enfoncé à l'intérieur et vous pouvez dicter tout simplement votre message. Salut, j'espère que tu vas bien. Je te fais donc un petit test directement à partir de mon tout nouveau Voxy One 2. Dis-moi si tu as bien reçu le message audio. Une fois le message terminé, vous rappuyez sur le bouton complètement en bas au milieu. C'est validé. Et ensuite, vous pouvez faire envoyer. Envoi du message audio en cours, veuillez patienter. Message audio envoyé avec succès. Salut, j'espère que tu vas bien. Je te fais donc un petit test directement à partir de mon tout nouveau Voxy One 2. Dis-moi si tu as bien reçu le message audio. Voilà donc pour cette troisième nouveauté qui est vraiment la super bienvenue, l'envoi de messages audio à partir de votre Voxy One 2. Regardons de plus près encore les nouveautés de notre Voxy One 2. On va avoir la possibilité d'avoir un lecteur PDF, mais un lecteur PDF très particulier. On pourra donc avoir le fichier PDF vraiment au complet. Si vous devez par exemple montrer votre billet de train à un contrôleur, tout simplement vous allez pouvoir le télécharger et le retrouver à cet endroit. Vidéo, 6 documents, 7 téléchargements, gestionnaire de téléchargement, un billet train.pdf. Billet train.pdf. Mon billet. Dossier voyage RGFJL. Nom, Dupont. Prénom, Martin. Voyageur, adulte. Dans ce cas de figure, on a donc extrait le texte du billet train. Mais regardez, si on va donc sur le bouton au milieu de notre Voxy One 2, on va pouvoir intégrer directement le lecteur de PDF. Et là, ce qui est vraiment génial, c'est que vous allez pouvoir afficher le code QR pour montrer donc au contrôleur votre billet en temps réel, vraiment extraordinaire comme nouveauté. Ce qui va vous permettre en fait de voyager en toute accessibilité, en toute autonomie grâce à votre Voxy One 2. Allez, on passe tout de suite à la prochaine nouveauté. Vous connaissez l'audio description, vous connaissez Netflix. Eh bien, Netflix complètement accessible, c'est sur le Voxy One 2. C'est parti. On va donc se rendre dans l'application Voxy Web. On se dirige dans la rubrique TV vidéo. Et là, vous allez retrouver l'application Netflix. Au préalable, il aura fallu aller dans les paramètres et créer bien sûr votre compte Netflix, une adresse mail, un mot de passe comme d'habitude. TV, vidéo, 4 Netflix. Netflix, un dernière sortie. 2 recherches. 3 parcourir le catalogue. 4 populaire. 5 avec audio description. L'accessibilité a vraiment été poussée sur le Voxy One 2 puisque vous allez pouvoir activer l'audio description sur Netflix. On va tout de suite lancer un film et voyons voir comment cela se passe. 4 populaires. Populaire, 1 jour, 2 semaines. 1 jour, populaire, jour 8 résultats. Un vortex, 2023. Vortex, un synopsis et détails. 2 saisons et épisodes. 1 saison 1. Vortex, saison 1. 2 épisodes 2. 1 épisode 1. Langue disponible. 1 français, audio description. À l'équipe titre pour l'éternité. Non loin d'un parc à bébés, un jeune couple est couché. La lumière du petit matin traverse les fenêtres de la grande pièce à vivre. À côté de son conjoint endormi, la jeune femme blonde de la photo fixe le plafond. Pluto. Elle lui pose une main sur le dos. Pluto. T'entends. La jeune femme écoute aux aguets. Alors, sur le côté droit, vous allez avoir 3 boutons, dont un bouton où vous pouvez avoir accès aux options, par exemple pour changer les langues, s'il y a plusieurs langues, vous appuyez sur le bouton du milieu
Et regardez, ici, tout simplement, on aura accès aux différentes langues du film. Ça, c'est vraiment super cool. Langue disponible. Un français, audio description. Beaucoup d'autres nouveautés, dont la possibilité de caster l'écran de votre Voxy One 2 sur un téléviseur, sur un écran d'ordinateur. Cela se passera dans une seconde vidéo. Une gestuelle avec deux doigts posés longuement, vous allez revenir sur l'écran d'accueil, tout simplement, de la nouvelle gestuelle, des nouveaux menus, des nouvelles choses en pagaille, des nouveautés en pagaille sur notre Voxy One 2. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, puisqu'une deuxième vidéo sortira d'ici une dizaine de jours. Vraiment, n'hésitez pas, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos sur les prochaines nouveautés du Voxy One 2. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces nouveautés. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision E-Tech. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine.